إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Parmi ben rakitcho, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li dit à nous pour demander, pour augmenter. C'est-à-dire quand nous demandons beaucoup de ces choses-là. Mais seulement avant nous guetter li, nous guetter constance. Qui est venu du Coran. De Surah 20, Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient avec étape, jour Qiyama, à partir, qu'il fait nous qu'on parmi les questions que les Sahaba ont posées, wa yas'alunaka 'anil jibal. Je pose toi question au Muhammad concernant montagne. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Jésus, mon Rob fait sa vie n'a pas chier. À partir de là, ben verset qui vient après, ben ayah qui vient après, donne-nous une idée, jour qiyama, comment poété. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ » « عَنَتَ » on dirait « un regard avec humiliation » veut dire tout visage qui est là, ça l'est là pour baisser. Parce que tous les temps, l'eau la terre, tu peux dire à nous, et un jour qui appelle Kayamat, et un jour, tu as besoin de bout devant Allah. Je voulais en arriver. Dans la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Fata'ala Allahul Malikul Haqqa. Fata'ala. Donc, si je dis à nous parler, Subhana Rabbi Al-A'la. Fata'ala Allah, qui Allah, lui soit le plus exalté, le plus haut. Al-Malikul Haqq, vrai Malik. Malik, littéralement les rois, et en même temps, Malik c'est lui qui est dans l'autorité le tout. Al-Haq, le retour, le Malik veut dire, le tout seul est dans sa droit là. Haq, ici, veut dire droit. Le tout seul est dans sa droit là. Derrière nous, jour Qiyama, ensuite, il dit sa bout là. Tout de suite, les couper, les dit avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي او محمد pas précipiter wala tardial hajala veut dire faire vite bil quran pas quran min qabli an yuqda ilayka wahy avant qu'il te finisse gain wahy la complet. Les temps Jibril alayhi salam, tu peux lire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux répéter ayat là vite pour les mémoriser. Et ça, comme on nous a dit, alhamdulillah,
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parti qu'on lire. Veut dire que Jibril il a déjà fini mémoriser ça là même là. Parce qu'il pas vous donner ni copie non rien là. Il y en a pas dire ça ban sahaba. Ensuite quand il dit ça ban sahaba, il bien fini connaît li que Jibril salam il dit ça ayat là, quand ça il met ça dans tel sourd. Il bien connaît ça là dit. Veut dire son mémorisation ça qui aujourd'hui de computer nous faire l'espace nous édite nous mettez là. Il bien fait ça sur la tête. Sur la Bakara, on pense que c'est le coup de descendre. Je nous 286 ayats. Et il n'y a pas de descendre en l'autre. Veut dire donner 10 ayats dans la fin, ensuite il y a les 10 premiers, ensuite il y a les. Tu te mets ça là au milieu. Comme ça, il y a fait de sur la tête là. Donc, quand Wahib peut descendre, il peut lire vite. Allah subhanahu wa ta'ala, pas lire vite. Qui fait? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي غِلْمًا. Tu connais qui te fait Muhammad? Dis à mon Rab, augmente mon connaissance. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on explique ça? Vous connaissez, quand un djimoun commence à prendre din, et une motivation qui développe dans lui, il rotale vite. Tous les gens comme ça, une sainte comme ça. Comment il commence son tajwid là? Il dit bien vivre une soudaise. Je dis premier son tajwid là. Hurufu thawiyya ban lit qui voulait dans le bout de la langue. Il cite des trois lettres, il cite des trois mots. Il dit comment qu'a fait imam? On trouve une sainte où était? Même côté madame. Il commence les sons lundi, mercredi. Vendredi, il rentre à la case, il dit à ce monsieur, mais comment se couvre la figure? Hein? Fais commencer là. Qui n'est arrivé? Est-ce que c'est ça qui te peut apprendre, qui peut faire toi comprendre digne? Ou bien ça réflexe qui est là dans l'insane, tous les temps, il content prêt? Précipité. La connaissance, jamais gagne comme ça, frère. La connaissance, jamais gagne comme ça. Non, vie qu'on dit, si paix n'a pas chance, un djimoun, jamais vous qu'on dit. Si paix n'a pas chance, un djimoun, jamais vous qu'on dit. Et elle nous demande plus grand exemple, chers frères, mazine ça. Parce que comment nous redire où? Où vous trouvez-nous comment commencer à prendre? Vous voyez, que quand, disons, frère, bah, quand de nous livre hadith pour nous faire demain crédit. Moi, la casse, mon fils, il y a tous les 25. Pas qu'à gagner ce pot tout là. Deuxième pot, il y a pas qu'à. Mon fils, il y a tous les 25. Mon fils, il y a mon pressé. Prends un pot semaine. Plus grand exemple, c'est quand Banna met l'embargo, l'imam Ahmad, Rahimahullah. Imam Ahmad, Banna met l'embargo, l'oli. Veut dire que tu n'as pas gagné le droit d'enseigner, toi. Qui est pour faire? Une personne ne sortit pas qu'il est en droit. Il fait un voyage de 6 mois. Il vient avec lui, il dit, oh imam, je viens apprendre avec vous. Imam dit, je suis dans l'embargo au moins. Il finit un coup de fouet, il finit enfermé. L'état il sortit, se sentant, c'est qu'il n'a pas le droit de naisson. Je dis, oh imam, je fais un voyage de 6 mois, je viens là. Imam dit, moi, pourquoi pas? Frère, vous connaissez qui est déjà imam? J'ai dit, oh imam, tous les jours que tu sortis de la case pour te jeter poubelle, ça qui nous dit poubelle saleté là-bas, tous les jours, mon boss ensemble, je te dis un hadith par jour. Un hadith par jour. J'ai signé de boss à côté imam, imam, j'ai dit hadith, que vous devez attendre demain, c'est-à-dire. Vous devez attendre demain. Il fait un voyage, il vient pour lui attendre 23e temps, 55 minutes. Ça, 5 minutes là, d'ici, attend l'imam sorti, il est allé, il est dit pour sortir poubelle. L'imam dit il y a un hadith, ok, demain, c'est dire. Frère, il prend la connaissance comme ça. Qui fait? Parce que la base de la connaissance,
c'est depuis Allah. Imam Shafi'i rahimahullah, il dit qu'une personne quand il ouvre un livre, s'il n'est pas posé sur la main là, quand il peut lire, il le mémorise pas après avant l'autre là. Vous avez dit prendre un livre arabe, il commence de côté droit. S'il n'est pas posé sur la main de côté gauche là, il le mémorise côté gauche là avant côté droite là. Il comprend sa mémorisation comment était. Ça, Imam Shafi'i. Un point divin avec ce professeur qui appelle le Waqira. Il dit oh imam, mon mémorisation est affectée. Il dit mon père mémorise bien. Connais ce professeur qui dit lui? Il fait ça, il dit un poème. Il récite ça, il avec toujours dans les livres. Il dit Chakautu ila Waqira su ahifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يغطي العاصي. Les diables finissent faire complainte avec Waqir. Waqir, c'est le nom de ce professeur. Sous Ahifzi, qui m'ouvrit le gain bâti. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Les diables ont besoin de faire péché. اعلم فإن العلم نور. Connais que la connaissance, c'est une lumière. ونور الله لا يغطي العاصي. Et la lumière, Allah n'est pas vous donner un désobéissant. Première chose qui fait nous pas capable d'apprendre, payer la patience, pas mémoriser, regrette nos péchés, frère. Regrette nos péchés. Parce que la connaissance digne, c'est la lumière Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner sur la lumière. Un quelqu'un qui désobéit à lui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut précipiter pour réciter le Coran. Il a dit, pas fait vite toi. Mais seulement ça qui te fait, demande à Allah pour augmenter ta connaissance. Wa qul rabbi zidni ilma. Veut dire ça qui le nous comme doa, c'est juste Rabbi zidni ilma. Tant qu'on demande ça sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala premier fait au vin sincère. Deuxième, il fait au commence qu'il désobéissance. Troisième, il fait au trouve les temps pour apprendre. Ou pas trouver les boring. Ou pas trouver, aïe, non, qu'on l'a même l'autre. Non, non. Ou pas vous trouver les vin boring qui fait. Parce que quand on peut demander à Allah pour augmenter connaissance, ce n'est pas un seul coup de gagner tout, mais seulement ce qui même de t'y guide les temps, mais où gagner, ça qui est vraiment pour profiter. Pour profiter tout. Ça, c'est le droit qui tient avec nous pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, vendredi, nous continuons. C'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il gagne l'autre depuis Allah, pour demander à Allah, pour augmenter sa connaissance, pour dire Wa qur rabbi zidni ilma. Wa mu rab, augmente ma connaissance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.